Le cancer est un tueur silencieux. Ne pas en parler, c'est le laisser tuer en silence. Ne pas porter témoignage, c'est le laisser sévir en sourdine. Les diagnostics précoces peuvent nous sauver. Je n'aurais pas été prise à main tôt, je ne serais peut-être pas ici. Agnès Credi partage sa propre expérience face au cancer du sein. En publiant « Tu me fous les boules », la journaliste écrivaine donne les secrets pour vaincre moralement le cancer sous toutes ses formes. Cette maladie insidieuse, c'est 12 à 15 000 nouveaux cas chaque année. « Tu me fous les boules », ce monologue d'Agnès Credi est surtout une leçon de combativité pour rester digne face à la maladie. Ce livre, c'est une manière pour moi de chanter la vie, même quand et surtout lorsqu'elle est menacée. Si les mots M-A-U-X nous tue, les mots M-O-T-S peuvent nous guérir. Face à une telle détermination, le ministre Raymond Goudou Koffi s'associe au combat d'Agnès Credi. Ensemble, je pense qu'on a ouvert une autre porte. Toutes les deux, nous allons maintenant continuer ce que moi je fais toute seule à travers la Côte d'Ivoire. Je pense que je vais t'associer maintenant et nous allons sillonner la Côte d'Ivoire et dire aux femmes, aux hommes, aux enfants, il y a de l'espoir. Témoignages et encouragements n'ont pas manqué à cette cérémonie de dédicace. En 1994, la radiothérapie, c'était des trucs à hors de portée. Et lorsque, en 2016, on fait un livre pour dire qu'on peut vaincre le cancer, ça me donne l'espoir. J'ai été guéri du cancer. Je me suis pris très vite en charge et très vite je suis parti en Suède pour me faire soigner. C'est un livre qu'il faut conseiller. Tu me fous les boules est la deuxième œuvre personnelle de la première et unique femme rédactrice en chef du quotidien Fraternité Matin. Cet ouvrage de 100 pages a un style direct, précis, sans détour. Selon Agnès Credi, Tu me fous les boules est un petit livre qui vous fera un grand bien.